Tov, Shavua Tov, Moadim Simcha, Vesasson Veikar, Bezrat Hashem, on est toujours dimanche 12 du mois d'avril, le 18 du mois de Nissan, Nechaim Tovim, Ushalom, Rifua Shlema pour tous les malades d'Israël, la liste est longue, on ne la fera pas. En tout cas, on est très content que grâce à vos prières et nos prières, on a pu constater que le Rav Riatoboul de Lyon va un peu mieux. Baruch Hashem, sa santé s'améliore, Vekenirbu pour tous les malades d'Israël. Amen, amen. J'ai oublié de mettre le micro. Voilà. On continue sur Maseret Avot ensemble, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Pour Morgan Louski, qui a acheté ce chiot pour la Refouach Lema de David Aimé Ben Perla, Nelly Hana Bat Marie et Shiloh Hana Bat Morgan Perla Rachela, si j'ai bien prononcé. Be'ezrat Hashem, Refouach Lema pour tous les autres malades d'Israël, sans exception. L'Elou Nishmatam, Be'ezrat Hashem. On se voit pour maintenant deux shiurim sur Maseret Avot. Donc on fait un premier shiur, ensuite on arrête la caméra 5 minutes, ce qui vous laissera le temps de vous organiser ou de rester branché pour un deuxième shiur. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem, nous avançons dans la liste de ceux qui ont acheté un shiur pour ne pas qu'ils attendent trop longtemps, en même temps pour vous accompagner pendant ce Chol HaMoed qui nous a été donné pour l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Un remerciement, il y a un groupe de personnes qui ont fait une quête pour les pauvres de Pessah. Et vous avez demandé que si on peut les remercier. Barour, je remercie tous ceux, vous avez été très, très, très nombreux à nous aider cette année, plus que toutes les autres années. C'est comme quoi que ça ne veut rien dire. C'est quand ça va le plus mal qu'il y a le plus d'aide. Mamash, Hashem Everech Etrem, Mamash Toda Rabba. Jusqu'à maintenant, nous avons distribué. Combien, Valérie ? 120 familles à peu près. 120 familles à peu près, me dit mon épouse, à peu près 150 000 shekels ont été distribués pour les fêtes de Pessah grâce à vos dons qui ont été intégralement remis à des familles dans le besoin. Donc, on n'avait pas encore fait mieux toutes les années précédentes depuis les 12 ans où nous travaillons nuit et jour pour le bien-être du peuple d'Israël. Et toutes ces familles ne savent pas de qui ça vient, vous ne savez pas à qui vous les avez donné, ce qui fait que les seuls qui restent à remercier, c'est Hachem. Vous avez réussi quelque chose de grandiose pour ce Pessah. Et Baruch Hachem, c'est une réponse au fait que le peuple d'Israël, la différence entre lui et les nations du monde, comme ça c'est marqué dans plusieurs livres, c'est que Israël, qu'il subisse ou pas la Shoah, il reste toujours fidèle à Dieu. Que ça aille ou que ça n'aille pas, la Emouna nous permet de donner. Hachem Evarech Etrem, Toda Rabba. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont aidés pour les paniers de Pessah, puisque ça continue encore, on aide pour les deuxièmes fêtes. Et juste remercier, alors, Shmuel Ben Simcha. Shmuel Ben Simcha, Toda Rabba Mikol Alev. Nathan Ben Yosef. Nathan Ben Yosef. Mordechai Ben Yehuda. Mordechai Ben Yehuda. Ael Bat Sara. Ael Bat Sara. Et Refoua Shema pour Simcha Bat Sara. Refoua Shema pour Simcha Bat Sara. Et tous ceux que je n'ai pas cités, la liste est très longue, je ne veux pas la ressortir, sinon on en a pour des heures. Vous avez été très très nombreux et de plusieurs pays à participer grandement à cette extraordinaire Kimcha de Pissra, exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Je suis content parce que je sais que d'autres organisations sérieuses ont aussi distribué leur panier de Pessah, ce qui fait que Israël, Mamash, est une vraie famille. Je pense que c'est le mot le plus adéquat et le plus merveilleux qu'on puisse donner au titre de ce peuple, c'est de quitter la notion de Am Israël, mais de Mishpachat Israël. Il n'y a pas plus grand que d'être une famille qui s'inquiète les uns pour les autres, alors que c'est très dur pour tout le monde et qu'on ne sait pas où l'avenir nous mène. Mais la Emouna est une lumière absolue dans l'obscurité de nos pas, que nous mènerons à des résultats toujours positifs. Be'ezrat Hashem. Shar Koach à vous tous et à vous toutes. Et comme je l'ai déjà dit, on va commencer tout de suite le shiur, Be'ezrat Hashem. Mais juste avant, voilà, j'aimerais souhaiter un bel accouchement pour toutes les femmes qui accouchent pendant cette période. Il y en a beaucoup, grâce à Dieu aussi. Merci pour vos messages. J'en profite, puisqu'on est dans les remerciements, pour tous ceux qui nous ont aidés sur les réseaux sociaux, pour les paniers de Pessah, pour ceux qui étaient avec nous. Mamash Toda Rabba. Shachem Evrech Etrem. Je voulais remercier aussi, d'abord mon épouse, hein, d'abord et avant tout, qui travaille jusqu'à 2-3 heures du matin, toutes les nuits, à faire les serfa, à vérifier quel argent part à droite, qu'est-ce qui va à gauche, comment ça se... qu'est-ce qui va pour les paniers de Pessah, qu'est-ce qui a été donné pour un avraire, parce qu'il y a des gens qui soutiennent encore les avraires maintenant, et Dieu seul sait combien ils en ont besoin aussi.
on a, vous savez, tout est bloqué quelque part, sauf les frais qui courent. Et je sais que vous le savez, donc ça fait du bien de savoir que Bémet, on est tous ensemble. Je voulais vous remercier par rapport au fait que vous êtes quand même nombreux à m'avoir envoyé beaucoup de courriers d'encouragement, de m'avoir annoncé que les cours vous avaient énormément aidé, remonté le moral, travailler vos midotes. Donc, Toda Rabba, ne croyez pas que je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de savoir si mon travail porte ses fruits, grâce à Dieu. Car même si tout est les Shem Shamaïm, et je vous affirme que, en tout cas pour nous, tout est fait vraiment les Shem Shamaïm, ben, ça fait du bien de savoir qu'on a réussi à faire du bien aux gens. Toda Rabba. C'était le plus beau salaire que je pouvais recevoir, et j'ai reçu énormément de messages de juifs, comme de non-juifs, très bizarrement, de beaucoup de non-juifs, pas un peu, pas un, pas deux, pas trois, beaucoup, qui m'ont écrit et qui m'ont vraiment sollicité et remercié pour tout ce qui a été dit et fait. Donc voilà, Toda Rabba, on commence notre chiour, comme on l'a dit, pour Madame Loski, qui a acheté pour la réfoua Shlema de sa famille, sur Maseret Avot. Juste avant de commencer ce chiour, je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais en tout cas, ce matin, j'ai fait deux cours d'affilée, et je suis tellement bousculé par des questions d'Alachot dans tous les domaines, que ce soit pour les hommes, les femmes, pour la fête, pour après les fêtes, pour les repousser des dates de mariage, tellement du matin au soir, Bémet, que c'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre de courriers que je reçois. Et à chaque fois que je me décourage, parce que quand je réponds à 60 questions, ce qui me prend à peu près une heure dans la chambre à répondre pour me concentrer à la réponse que je dois donner, pendant que j'ai répondu pendant une heure à ces questions-là, j'en ai 72 qui viennent se rajouter. Et c'est comme ça tout le temps. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous raconter ma vie, c'est un plaisir, un devoir et un honneur pour moi d'avoir le mérite de vous répondre. C'est simplement qu'il m'arrive des fois d'aller trop vite dans ma tête et de ne pas être clair, peut-être dans mes halakhot. Et tout à l'heure, ça a été le cas exceptionnellement dans le cours de ce matin, où je n'ai pas été clair à propos de la Sfirat HaOmer. Donc j'ai recorrigé une fois de plus, parce qu'il y en a qui ont compris comme j'avais voulu l'expliquer, il y en a qui n'ont pas compris comme j'avais voulu l'expliquer, et quand j'ai réécouté la vidéo, c'est pas clair. Donc je vais être clair. Pour les hommes, comme j'expliquais ce matin, avant de commencer le cours sur Maseret Avot. Donc, parlez-en autour de vous pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté en mon nom, Chas Vashem. Surtout dans les halakhot, il faut être très précis. Les femmes ne comptent pas la Sfirat HaOmer. Selon la Kabbale, même si elles voudraient le dire sans la bénédiction, ok, Alpi Halakha, c'est permis pour une femme de dire la Sfirat HaOmer, aujourd'hui, troisième jour du Omer. Elle pourrait le dire, mais sans bénédiction, c'est assour avec la bénédiction, c'est Bracha Levatala. Pourquoi ? Mishum, Shemizvot, Shazman, Grama. Ce sont des mitzvot provoquées par le temps. Les femmes en sont quittes. Les Mekoubalim disent que Alpi Kabbalah, il ne faut même pas qu'elle la compte. Même comme ça, ni comme ça. Elle ne la compte pas. Shevati Baltase. Ce n'est pas la peine de jouer les mamas salées. Fais ce que la Torah te demande et ainsi donc tu auras accompli la volonté d'Hachem. Zachitov, que de vouloir faire les choses par rapport à ses sentiments personnels. Pour les hommes qui auraient omis de dire la bénédiction la veille, des fois, surtout en galoute, le soir rentre tard. Les gens, quand il y a des minanim, ils font Arvit mi baodiyom, ils font Arvit quand il fait encore un peu jour, ils rentrent à la maison et seulement à la sortie des étoiles, ils peuvent dire la Sfirat HaOmer. Et des fois, eh bien, ils vont manger, ils ne vont pas avoir un gardien qui va leur dire hey, « Eh, n'oublie pas de faire ton Kirat Shema de Arvit parce que tu l'as fait la journée, et n'oublie pas surtout de compter la Sfirat HaOmer. » Et ils vont s'endormir ou tout simplement oublier. On peut oublier de compter la Sfirat HaOmer, ça peut arriver à tout le monde, même si ce n'est pas un très bon signe. Ça veut dire qu'on ne travaille pas assez ses midot, selon le Harizal, d'oublier la Sfirat HaOmer. Le lendemain, il pourra rappeler la Sfirat HaOmer jusqu'au coucher du soleil, seulement sans bénédiction. Ce que j'ai voulu dire avec bénédiction, c'est le soir. Est-ce qu'il continue de compter par la suite la Sfirat HaOmer tous les soirs? Oui, parce qu'il a rappelé dans la journée. Mais la Sfirat HaOmer qui a été dite la journée se fera sans bénédiction à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Si Chas V'Shalom, pendant 24 heures, il a omis de dire la Sfirat HaOmer, il ne pourra plus la compter du tout avec la bénédiction. Donc, il la dira sans bénédiction en continuant jusqu'à la fête de Shavuot. Mais celui qui doit la dire la journée parce qu'il a oublié de le dire la veille, il compte la Sfirat HaOmer sans bénédiction. Voilà, c'est ce que j'avais voulu expliquer, mais c'est vrai que je n'ai pas été clair tout à l'heure. Mais c'était important car il s'agit d'Alakha et on ne fait pas Bracha Levatala. Ken ? Et il continue après avec Bracha. Et il continue le soir avec bénédiction, bien sûr, puisqu'il a dit la Sfirat HaOmer, la journée. D'accord ? En réalité, il faut savoir une chose. La bracha, zelo me'akev. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dit aujourd'hui, ayom, shosha yamim la HaOmer. D'accord ? Il n'a pas dit la bracha. Ben, il a compté l'HaOmer. Tu comprends ? L'HaOmer me'akev. Mais pour la halakha tachles, s'il n'a pas dit la journée, on ne dit pas la bénédiction la journée. Voilà. Comme ça a été dit clairement. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de passer le cours précédent où j'ai pas été un peu. Enfin, je me suis mal exprimé. Je savais ce que je voulais dire.
mais je suis revenu en arrière et j'aurais pas dû, enfin, le méchané. Top. Comme m'a dit mon ami Reuven, c'était une façon de comprendre qu'on doit toujours se remettre en question et que quand on n'est pas sûr, il ne faut pas avoir honte de dire « je me suis trompé ». Voilà. Le Rim Brurim, Zegam Dugma Ishit. Première Mishnah de Masechet Avot. On a vu tout à l'heure, ensemble, enfin dans le jour précédent, tout Israël à part monde futur, on a donné des explications. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui m'ont remercié pour ces Hidushim. Pour eux, c'est des grands Hidushim. Moi, j'ai un peu l'impression de me répéter, mais ce n'est pas grave. La première Mishnah commence par quelque chose de très ambigu. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. C'est très bizarre parce que il aurait été plus noble de lire Hachem a donné sa Torah à Moshe. Et pourtant, bizarrement, vous constaterez que la Torah, quand on parle de sa provenance, on ne parle pas d'Hachem. Même si c'est Dieu qui l'a donné, tout le monde a vu le film Les Dix Commandements, c'est une blague, mais tout le monde sait très bien que la Torah est comme la fille de Dieu qui l'a donnée au peuple d'Israël. On le sait, elle a été donnée sur un lieu universel, le Har-Sinaï, pour dire que si ça avait été donné en Eretz-Israël, les Goïms auraient dit « alors nous, ça ne nous concerne pas ». Non, non, elle est dans un désert. Tout celui qui veut venir la prendre, le désert est un territoire neutre, celui qui veut venir la prendre peut venir la prendre. Ce qui fait que la Torah ne s'adresse pas qu'au peuple d'Israël, elle s'adresse à toutes les créatures de Dieu, elle s'adresse à toutes les nations du monde. Que celui qui veuille venir la prendre, vient la prendre à des degrés différents. S'il y en a qui veulent rester non-juifs, ils viendront prendre que les sept mitzvot noachid et apprendre à connaître le peuple d'Israël à travers l'accomplissement de nos mitzvot pour plus nous respecter dans notre façon d'agir, entre autres. Et celui qui veut qu'à l'image de Yétro venir prendre la Torah, bien il est venu au Har-Sinaï, Yétro, pour prendre la Torah. Si elle avait été donnée sur le territoire d'Israël, il aurait fallu sélectionner sur quel territoire ? Celui de Réhouven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvouloun, lequel ? Et ainsi donc, ça aurait créé une jalousie. Dieu ne veut pas créer de jalousie, donc il a mis sa Torah dans un point neutre. Ainsi donc, Dieu nous apprend, quand tu fais quelque chose, veille surtout à ne pas créer la jalousie parmi tes enfants. Mais la question qui reste, quand on parle de la Torah, est-ce qu'on relie la Torah à Dieu ou à un homme ? Question pour un champion. La Torah, elle apparaît. Quand on dit Torah Tachem Temima, par exemple, c'est un verset. Torah Tachem Temima. La Torah de Dieu est intègre, elle est complète, elle est shlema. D'accord ? Très bien. Mais pourtant, quand on relie la Torah à un propriétaire, qui en est le propriétaire ? Dieu ? Non. Bizarrement, c'est Moshe. Sheneemar, Torah Tzivalanu, Moshe qui l'a dit à Jacob. Torah Tzivalanu, Moshe. Celui qui va nous donner les ordres de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que Dieu, quand il a eu la Torah, il en a fait cadeau à Moshe. D'où l'expression « Kibalti matana ». J'ai reçu un beau cadeau. Kibalti. Le mot « lekabel », ça veut dire que j'en deviens le propriétaire. Sinon, il y a remarqué « alva'a ». Dieu nous prête la Torah. Mais s'il l'a donné, ce qui est donné est donné, ce qui est prêté est prêté, ce qui est repris est volé. Mais la reine, si Dieu nous donne la Torah, c'est qu'elle devient propriétaire. Moshe Kibel. À part Moshe, plus personne ne devient le propriétaire de la Torah. Ce qui fait que la Torah, on appelle ça Torah Moshe. On ne dit pas Torah Tachem. La Torah était Tachem quand Dieu l'a écrit. Quand on dit Torah Tachem Temima, c'est-à-dire que le cadeau que Dieu nous a donné dans nos mains à nous est un cadeau complet. Il ne manque rien. Il n'y a rien à rajouter à la Torah. Il n'y a rien à retirer à la Torah. Forbada, forbada, koulaba, il y a tout dedans. Ne crois pas que tu as besoin de réformer la Torah. Ne crois pas que tu as besoin de libérer ta Torah. Ne crois pas que tu as besoin d'enjoliver cette Torah à ta façon. La Torah en elle-même est déjà tmima. Elle est complète. Elle est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être rien d'autre qu'exaucée. Ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il ait donné à Moshe ? Ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu alav shalom, eh bien, quand on contredit la Torah, on contredit Moshe. C'est Dieu que l'on fâche. La réponse que je voudrais vous donner est un chidouche que j'ai étudié hier avec mon fils. C'est que on a vu ensemble que pourquoi Dieu il a donné sa Torah à Moshe ? Pourquoi il rend Moshe quelque part le propriétaire de sa Torah ? Parce qu'il était impensable que les anges puissent laisser une fraction de seconde le jour du don de la Torah. Écoutez bien ce chidouche atzoum. Que si un juif il aimait Halel, Shabbat, ou un juif il aimait Halel, Nida, Kashrut, Yom Tov, alors il a désobéi à Dieu. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Quand il a voulu donner la Torah, il a eu confiance en un homme parfait, un homme qu'il ne l'aurait jamais déçu, c'est Moshe Rabbeinu. À lui, il lui a dit, je te donne ma Torah à toi, mais tu dois la donner au peuple d'Israël. Ce qui fait qu'avant d'avoir affaire aux ordres divins, eh bien, nous avons affaire à qui ? Au propriétaire nouveau de la Torah.
Ce qui fait que quand un juif n'est pas bécédère, quand un juif ne se comporte pas très bien, qui c'est qui déçoit ? Le nouveau propriétaire, c'est Moshe. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait des averot, les sages nous disent que Moshe Rabbeinu, qui est l'ange responsable, mettant le, on va dire pas l'ange, mais en tout cas la figurine du judaïsme responsable de la Torah, il dit à Dieu, mais pourquoi tu te fâches ? Arrête, tu m'as donné la Torah. Donc, en n'écoutant pas ma voix, à moi, c'est moi qu'ils humilient, c'est pas toi, Hachem. En d'autres termes, le fait que la Mishnah commence par Moshe Kibel Torah Mishnah, Sarah le Yoshua, il a transmis à Yoshua, eh bien, Moshe Rabbeinu devient un petit peu le tampon régulateur entre les fautes du peuple d'Israël et le Créateur du monde, pour ne pas que le kavod d'Hachem soit vexé. Ce qui fait que quand les anges viennent dire à Dieu, regarde tes enfants, là, ils ne sont pas à Shomer Shabbat, Moshe, il se lève comme un défenseur, comme il a toujours été le défenseur d'Israël, il dit, mais pourquoi vous dites ça à Dieu ? Venez me voir moi. Pourquoi vous lui dites ça à vous ? C'est pas lui qui humilié. Arrête, eux, ils n'ont pas eu affaire à Dieu. Quand il y a marqué Vesham Ruben Israël et Shabbat, Dieu, il a donné que deux commandements de lui-même. Tu n'auras pas, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. À part ça, le reste, c'est moi qui l'ai donné. C'est pour ça que le mot Torah, Gematria 611, pour dire que sur les 613 mitzvot, seul Hachem a donné deux mitzvot, et le reste, c'est Moshe. Donc, sur les 611 mitzvot de la Torah, quand on n'est pas bécédère, quand on ne les fait pas comme il le faut, vient Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, mais pourquoi tu devrais te vexer des enfants d'Israël ? Arrête, c'est moi qui dois être vexé. Ça veut dire que moi, quelque part, je suis un peu mort dans l'histoire quand ils n'écoutent pas ce que je dis. Mais la reine, Moshe Kibel Torah Mishinaï, Moshe s'est mis un petit peu comme une espèce de tampon pour atténuer les fautes des enfants d'Israël en disant, ce n'est pas l'honneur de Dieu, mes enfants, que vous trahissez quand vous ne faites pas la Torah, les mitzvot, c'est mon honneur à moi. C'est quelque chose de grande chose à comprendre, que le fait que Moshe ait reçu cette Torah-là du Harsinaï, il en a été le garant et il en a pris la responsabilité. C'est pour ça que tout le mérite de l'étude de la Torah revient toutes les années à Rosh Hashanah, à Moshe Rabbeinu, à la Vachalom. Moshe l'omet, à un tel point qu'il y a eu un deal, quand même, je vous le dis. Quand Moshe a pris cette responsabilité, les Chachamim nous disent que Dieu lui a dit, tu es sûr de ce que tu fais ? Tu veux endosser toute la responsabilité des enfants d'Israël ? Il a dit oui. Mais j'ai une condition. Fais-moi un cadeau. Lui, lequel ? Il lui dit, laisse-moi à chaque naissance d'un enfant juif mettre une partie de ma Neshama en lui. Ce qui fait qu'il n'y a pas un juif qui, dans ce qu'il est lui-même en tant que Neshama juif, n'ait pas une partie de Moshe Rabbeinu en lui. Dans tous les juifs, il y a un petit Moshe Rabbeinu. Obligatoirement. C'est grâce à ce petit Moshe qui est en nous qu'on arrive à étudier la Torah aujourd'hui. C'est grâce à cette force prise énergétiquement parlant de cette petite étincelle de Moshe Rabbeinu à la Vachalom qui est dans chaque âme juive, que chaque juif, partout où il se trouve, dans le plus grand de toutes les Égyptes, la plus impure du monde, il sera capable, lui, de se sortir, tout comme Moshe a sorti un peuple entier, lui sera capable de rapporter ses 248 membres et 365 tendons à rechercher la Torah hors Sinaï grâce à cette petite étincelle de Moshe. Ce qui fait que Moshe a pris un risque énorme en devenant le garant de la Torah donnée au hors Sinaï pour les enfants d'Israël, mais de l'autre côté, il s'est mis dans chaque partie du peuple d'Israël, à l'échelle individuelle, pour que quelque part, s'il n'arrive pas à tirer le juif dans sa lourdeur de vouloir rester dans la pureté, alors il va tirer son lui-même qui est dans chaque juif et éclairer sa lumière en lui pour qu'il revienne quelque part à la Torah. Ce qui fait que même quand on fait teshuva, il y a une partie qui est grâce à Moshe Rabbeinu. Chidush Atsum, enfin, pour ceux qui comprennent cette merveilleuse étude, Bezrat Hashem, Achen Natril, Moshe Kibel Torah Misinai. Et la Mishnah nous dit, Sarah le Yoshua. Et il l'a transmise à Yehoshua bin Nun. Donc on va dire un petit peu avec le Balakati. Kol la Torah kula. Torah shebirtav et Torah shebaalpe ke'echad. Quand Moshe a reçu la Torah, il a reçu la Torah écrite, la Torah orale. Ça veut dire quoi la Torah écrite et la Torah orale ? Tous les livres et commentateurs que vous connaissez autour de vous, y compris le Zohar, y compris toute la Torah, toute la Torah, toute la Torah, toutes les Gemarot, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Sifra, les Braïtot, toute la Torah, tout ce qu'on connaît, le Shulchan Aruch, tous les Kitsur Shulchan Aruch, tout a été donné et reçu au Harsinaï. Seulement au fur et à mesure de temps, cette Torah-là s'est un peu oubliée, ce qui fait que les Chachamim sont revenus dans ce monde pour rappeler aux enfants d'Israël à chaque génération comment l'Ifsok est à Halakha. Il n'y a pas de Tridushim dans l'absolu dans ce monde, il n'y a pas de Tridush. Tout ce que l'on dit, Zemi Torah de la bouche de Moshe au Harsinaï. À tel point que vous connaissez tous dans Torah de Kohanim, un livre excellent. Quand Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, voit toutes les générations, il va avoir deux grandes tzadikim sur lesquelles il va s'arrêter personnellement. Le premier, c'est Rabbi Eliezer, qui va prier, il va prier le ciel. Quand il va voir Rabbi Eliezer, ben Orkanos, Rabbi Eliezer, le grand, on l'appelait, à Gadol, il va prier le ciel d'avoir le mérite d'être l'aïeux
de ce Rabbi Eliezer Agadol, tellement il était fou de lui, tellement amoureux de lui, tellement ému par la Kdusha de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il va appeler son fils Eliezer en souvenir de Rabbi Eliezer parce qu'il a vu le Ruach HaKodesh qui viendrait un tzaddik comme Rabbi Eliezer ben Orkanos. Donc il appelait son fils Eliezer. Vous savez qu'il a eu deux fils, Moshe, Gershon et Eliezer. Nachon. Alors au niveau du pshat, c'est parce que Dieu l'a aidé. Eliezer, Dieu m'a aidé. Mais il dit pas du tout. Les Chachamim, ils disent c'est parce qu'il a vu Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il a appelé son fils. C'est pour ça que sa prière a été reçue, que Rabbi Eliezer ben Orkanos, Eliezer le grand, Rabbi Eliezer Agadol, est de la descendance de Moshe Rabbeinu. Il faut le savoir. Le deuxième tzaddik qu'il a vu, c'était Rabbi Akiva. Donc fils de converti, de la descendance de Sisra, roi de Grèce. Et Rabbi Akiva, quand il a vu Beruach HaKodesh, il a vu enseigner 3000 halachot sur les tagines. Vous savez, c'est les petites couronnes qui se trouvent au-dessus des sphères Torah. Moshe Rabbeinu a dit un truc qui est très choquant. Il dit, j'ai rien compris. Moshe Rabbeinu, quand il voit Rabbi Akiva expliquer le fondement des couronnes sur le Sefer Torah, il est comme un enfant du Gan qui ne comprend rien à ce que dit Rabbi Akiva. Et il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Ribono shel olam, pourquoi tu m'as donné la Torah à un homme comme moi ? Fallait la donner à Rabbi Akiva ? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, shtok, tais-toi. Écoute jusqu'au bout. Quand tu as fini Rabbi Akiva, c'est 3000 explications sur les halachot des Tagin. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu ? Qu'est-ce qu'il dit à la fin, je t'en prie ? Il dit, kol zeh mi Moshe be'har Sinai. D'où est-ce que je sais tout ça ? De l'enseignement que Moshe Rabbeinu a reçu à Har Sinai et qu'il enseignera à Yoshua. C'est-à-dire qu'il y a une masoret. Ce qui fait qu'en réalité, tous les chidushim que nous disons aujourd'hui, en réalité, ne sont que des rappels qui sont dans l'histoire, qui planent dans l'histoire, mais qui ont été oubliés. Et aujourd'hui, le fait de réunir tous ces livres, par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le judaïsme, il dirait, mais c'est quoi tous ces Shulchan Aruch? Je ne comprends pas. Il ne peut pas avoir un Shulchan Aruch. Il ne peut pas avoir une chose qui est là. Alors, je explique quelque chose que les gens ne comprennent pas. Imaginez un jour qu'il y avait un énorme ballon. Mais énorme ballon. Un ballon gigantesque. De toutes les couleurs. Et qu'arrivé quelque part, en d'autres termes, en tant que peuple en Eretz Israël, ce ballon a explosé. Boum ! Et que toutes les couleurs soient devenues des petits, petits ballons. Et ces ballons sont restés dans l'air. Est venu un homme, il a attrapé un ballon, il l'a fait descendre. Est venu un autre homme, il l'a fait descendre, il l'a fait descendre, il l'a fait descendre. Il aura fallu plus de 3300 ans pour faire descendre tous les ballons qui ont éclaté par rapport à ce ballon originel. D'accord ? Ainsi était la Torah. Quand elle a été donnée à Moshe Har Sinai, elle comprenait tous les livres qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui de tous les plus grands d'Israël. Quand on est arrivé en Eretz Israël, les Chachamim nous disent que toute la Torah a explosé en Eretz Israël. Le choc de la Torah avec Eretz Israël, pourquoi ? Parce que la Torah a été donnée pour vivre, pour être vécue d'Afka en Eretz Israël, puisque 90% des misères en dépendent. La Torah a explosé. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Comme des ballons, elle est restée suspendue dans l'air. Et au fur et à mesure des générations, chaque grand qui est né dans ce monde, comme le Roi Chaim HaKadosh, comme le Baal Shem Tov, il a tiré un des ballons vers lui. Mais ce ballon, il existait, il était dans les airs, il fallait simplement le dévoiler dans ce monde. Ce qui fait que toute la Torah que nous avons aujourd'hui, Moshe Kibel Torah, Omer Kol HaTorah Kula, ça veut dire personne ne peut rien apprendre à Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Au contraire, toute la Torah que nous avons, c'est Moshe Be'Har Sinai. Cette Torah-là, elle vient de Moshe Rabbeinu, Alav HaShalom Be'Har Sinai. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Me'et Hashem Nigla Al Har Sinai. Ma femme pose la question de loin et me dit, pourquoi Dafka War Sinai ? Pourquoi on a besoin de dire War Sinai ? Tout le monde sait très bien. Ben, tout simplement parce que le Sinai est une petite montagne qui était la plus petite des montagnes. Et pour te dire que la Torah ne peut être donnée à l'autre qu'à la condition où l'autre fait preuve d'une grande humilité. Comme le Chida HaKadosh, il faut avoir trois niveaux de Neshamot qui atteignent le niveau de l'humilité. C'est pour ça que la Torah était donnée sur trois niveaux différents. À Moshe, l'homme le plus humble, dans le désert, la terre la plus humble, et au War Sinai, la montagne la plus humble. Pourtant, ce n'est que Moshe Kibal Torah, mi Sinai. Mais non, met Hachem, dit de Dieu. Il dit non. Lama, pour t'enseigner que la montagne du Sinai était digne de recevoir la Torah. Pourtant, la montagne, c'est quoi? C'est de la pierre. La pierre, ça ne parle pas. C'est du minéral. C'est le plus bas niveau de ce monde. Il dit oui, mais c'est pas grave. Si tu es bas dans ce monde, si tu as un petit niveau en Torah, mais que tu es humble, tu es digne, comme Moshe Rabbeinu, de recevoir la Torah. D'où l'expression du Sinai. Ça veut dire que Dieu ne recherche pas des savants dans l'étude de la Torah. Il recherche des gens qui sont comme le Sinaï, qui se taisent, qui sont humbles, qui sont effacés de ce monde. Alors il est prêt à poser sa Torah sur lui, tout comme le Sinaï n'est que du minéral. Mais elle était humble. Dieu l'a choisi pour y déposer sa Torah. Une manière de voir, Bémet, quelle est l'histoire du Sinaï. Il y a des parchanim, des commentateurs qui nous disent qu'en réalité, le jour de la Akedat Yitzhak,
quand il y a eu la Akedat Yitzhak, Dieu il a pris la montagne de Jérusalem, qui était donc en Spitz, il a fendu en deux. Il a laissé le socle de cette montagne scindée en deux, qui est la montagne de Jérusalem, la ville de Jérusalem que vous connaissez aujourd'hui. Et le Spitz est donc le chapeau de cette montagne, où est-ce qu'il est ? Dieu l'a déposé dans le désert. Et il est marqué chez nos Chachamim que quand viendra le Mashiach, la rédemption finale, qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde, plus de jalousie, plus de compétitivité, ainsi de suite, eh bien, Dieu remettra ce qui paraît, ce Spitz, la montagne du Sinaï, rejoindra Jérusalem. Et de là sortira un verset, « Ki mit Zion titse Torah ad bar Hashem Yerushalayim » Car de Zion, de Jérusalem, sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Ce qui fait qu'un des plus beaux endroits au monde où un homme devra chercher à vivre après la Géoula, c'est d'Afka à Jérusalem. Tout le monde voudra vendre ses maisons des lattes et de droite et de gauche pour s'installer et posséder une maison à Jérusalem le plus proche possible de la lumière du Beth Amikdash. Mais à mon avis, ça, ce sera un choix qui sera fait par le Melech HaMashiach. Toi, oui, toi, non, toi, non, toi, oui. Mishirhi ir'e. Ben, Ezrat Hashem. Et Katou, Misinaï, mais Hashem nigla à l'Ar Sinaï, Sheken Darshu, Akatou, et là, Chukim HaMishpatim, la Torah. Donc, on avance. Un instant. Donc, Yoshua, plus fidèle élève de Moshe Rabbeinu, reçoit cette Torah-là, et il enseigne à qui ? Aux Ekenim, aux anciens. Les Ekenim l'ont enseigné aux prophètes, les prophètes ont enseigné à la grande assemblée, ce qu'on appelle la Knesset Agdola. Et pourquoi on a besoin de nous dire tout cela ? Ma Kesher. Alors, il y a une chose très 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 importante à retenir de cette Mishnah-là. Mais vraiment, quand je vous dis très importante, c'est très très importante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire les stations des générations qui ont reçu la Torah de Yoshua ben Nun qui a été transmise ? Quand on dit Moshe Kibel, Moshe a reçu la Torah. Sara le Yoshua, le mot Sara veut dire transmis. Mais ça vient du mot aussi Masoret. Ça veut dire que non seulement la Torah écrite et la Torah orale ont été données, mais que toutes les traditions ont été données avec. Ce qui fait que même les traditions que nous avons, juives de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, d'autres pays, sont des traditions qui ont été aussi données dans la Torah orale. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, en réalité, on n'a rien inventé, quoi, quelque part. Alors, il y a un enseignement ici pour faire taire les réformistes. Ceux qui disent que, ouais, mais ça, ce sont les rabbanim qui l'ont écrit. Oui, on a récupéré les ballons, vous vous rappelez ? Et on les a retranscrits. Ça veut dire que nous avons transcrit ce qu'il y avait sur ces ballons qui ont éclaté, comme j'ai dit aussi au début de ce chiour, qui étaient dans l'air, et on les a retranscrits. On les a remis à l'ordre du jour. Si vous observez bien les générations qui ont suivi, ça fait quoi ? Moshe a reçu la Torah de Dieu. Jusque-là, ça va. Cette Torah qu'il a reçue de Dieu, il a transmise à Yoshua. D'accord ? Yoshua ben Nun prend toute la Torah qu'il a reçue de Moshe Rabbeinu et il la transmet à qui ? Aux anciens. Les anciens reçoivent cette Torah et la transmettent à qui ? Aux prophètes d'Israël. Les prophètes d'Israël reçoivent cette Torah et la transmettent à qui ? Au Knesset Agdola, à la Grande Assemblée. La Grande Assemblée reçoit donc cette Torah à l'image un petit peu d'un relais. Vous connaissez la course quand on court autour de la piste, ensuite on a un relais, on le passe à l'autre. Il n'y a rien qui part du relais, le bâton reste le même. Juste on transmet. Quand la Knesset Agdola a reçu cette Torah-là, à qui l'ont transmise ? Aux Zougot. À l'époque des couples, Shmaya, Avtayon, jusqu'à Hillel et Shammai. C'est-à-dire ? Donc ce sont les couples qu'on va étudier d'ailleurs dans Maseret Avot. Les couples, à qui l'ont transmise cette Torah-là ? Aux Tanaïm, qui eux-mêmes vont la transmettre à la deuxième génération des Tanaïm, troisième génération des Tanaïm et quatrième génération des Tanaïm. Après les Tanaïm, dont le dernier des Tana s'appelle Rabbi Yehuda Nassi et Rabbi Yochanan, marloquette à savoir s'ils étaient Tana ou Amora, viendra la génération du Talmud. Et la génération du Talmud s'appelle les Amoraïm. Les Amoraïm vont recevoir cette Torah-là. Seulement, malheureusement, comme on s'était encore un peu plus assimilé dans l'obscurité de la Galoute, à cause des Romains et de tout ce qui s'est passé, eh bien, la Torah orale va être transmise par écrit par Rabbi Yehuda Nassi qui va compiler la Mishnah. Cette même Mishnah est transmise dans les mains des Amoraïm qui vont commenter la Mishnah et l'expliquer en la décortiquant, qu'on appelle le Talmud, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vont faire les Amoraïms ? Ils vont, donc là, je parle pas des Amoraïms, l'époque des Amoraïm, eh bien, ils vont mettre par écrit les explications de la Torah orale, qu'on appelle le Talmud. Les Talmudistes, en d'autres termes, les Amoraïs,
vont transmettre cette Torah-là à une nouvelle époque qu'on appellera, donc donne le relaqué aux Savoraïm. Les Savoraïm vont transmettre cette Torah-là aux Rishonim. Il y a eu en réalité des époques intermédiaires, comme les Hashmonaïm. On est dans des époques où, on va avancer dans le temps, ça va être transmis, toute cette Torah-là de Moshe depuis le début, va être transmise à qui ? Aux Rishonim. Les Rishonim vont la transmettre aux Acharonim, comme par exemple l'époque du Rashi, l'époque de Rabbi Noutam, l'époque du Rambam, c'est les Rishonim. Ils vont la transmettre aux Acharonim. C'est l'époque de Rabbi Yosef Karo, c'est l'époque du Ramak à Kadosh, l'époque du Arizal. Et eux, ils vont la transmettre aux Acharonim d'Acharonim, ce qu'on a aujourd'hui. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Tzion Abba Shaul, le Rabbi Lubavitch, tous les grands de la Torah font partie de l'époque des Acharonim. Et les Acharonim d'Acharonim, jusqu'à la venue du Mashiach. Ce qui fait que quand aujourd'hui, chers amis, on vous dit qu'il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, ce n'est pas une invention des rabbanim il y a 100 ans en arrière, il y a 200 ans en arrière, il y a 500 ans en arrière. Ouais, de toute façon, chacun écrit ce qu'il veut, tu vois pas. Il n'y avait pas ça. Zelonachon, tu te trompes. C'est pour ça que la première Mishnah de Maseret Avot vient te dire que la Torah que tu étudies en 2020, c'est exactement la Torah que Moshe a donnée au Arsina. Il n'y a aucune différence. C'est la continuité de ce que nous faisons et pratiquons. Seulement, il y a eu des différences par rapport au modernisme. Avant, il n'y avait pas de bouton pour allumer la lumière, mais il y avait de quoi allumer une bougie. Ça s'appelle Doumia. Ça veut dire ça ressemble. Donc, les rabbanim d'aujourd'hui ont le pouvoir de retrouver dans les enseignements des ressemblances avec l'étude. Et c'est pour ça que c'est complexe et rempli de marloquettes. Mais à kol divrei Elokim chayim. Donc un homme ne vient pas dire bêtement une chose qui risquerait de lui faire perdre son monde futur et regretter d'être venu au monde en disant « La Torah écrite, je la reçois, mais la Torah orale, je ne la reçois pas. » Ça, ce sont les hommes qui l'ont écrit, mais c'est la Torah qui a été donnée aux hommes. Moshe qui belle Torah, il l'a donnée aux hommes. « Umsara le Yoshua, onevi'im, ozekenim, onevi'im, ala Knesset Agdola, otana'im. » Et c'est l'homme qui décidera de la loi juive par rapport aux données tenant et aboutissant de cet enseignement transmis de génération en génération par nos livres, de rabbanim en rabbanim. Et c'est pour cela que je finirai avec ça pour ce premier shiur, avant d'attaquer la deuxième phase de cette Mishnah. C'est pour cela que quand vous étudiez n'importe quel grand rav, n'importe lequel, prenez le Or Litzion du Rav Ben Tzion Abba Shaul, vous avez sa halakha, vous regardez en bas, vous avez toutes les références. Le Bayit HaYehudi du Rav Aaron Zakkai, sa halakha, vous regardez en bas, toutes ses références. Le Rav Ovadia Yosef, Maran, vous regardez ces halakhot, vous tournez la page, vous avez toutes ces références. Rien n'est dit de ce qu'ils pensent. Tout est référencé selon leurs maîtres, qui ont précédé d'autres maîtres, jusqu'à arriver d'où Moshe Be'ar Sinai. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ces notions-là, et qu'il n'y a pas plus important que la Torah orale, la Torah de nos rabbanim. Aselech harav et tistalek be'ezrat Hashem inasafek fais-toi un rab et éloigne-toi du doute, car la parole des rabbanim, vous allez me dire, oui, mais attends, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Vous avez raison, mais pas parce que nous, on n'est pas d'accord dans cette génération les uns avec les autres. C'est parce que nos références n'étaient pas d'accord. Et les références qu'ils ont référencées n'étaient pas d'accord. Et dans le Talmud, vous ouvrez la première référence, Talmud, ils n'étaient pas d'accord. Vous ouvrez les Zugot, Shmaya et Aftalion, ou Hillel et Shammai, ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il existe 70 facettes dans la Torah, avec 600 000 explications pour chacune des halakhot. Comme ça dit le Rav Mounsefi un jour, 600 000 explications. Comme la Torah est infinie, alors il est évident qu'on n'aura pas fini de se disputer pour la comprendre, puisqu'elle est infinie. Mais par contre, quand une Torah est définie, quand elle est écrite par un homme, ben, ce n'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas deux Corans, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de complexité dans la chrétienté, il n'y a pas de mahloket sur ce qu'a dit l'un ou ce qu'a dit l'autre. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que c'est des paroles écrites par les hommes et non pas par Dieu. Si on avait mis un point final en disant « c'est ce qu'il y a à faire et c'est tout », ça voudrait dire qu'on aurait compris Dieu. Donc Dieu ne serait pas vraiment Dieu, puisque eux-mêmes le disent, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc il est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord les uns avec les autres pour comprendre l'infini, puisque nous-mêmes nous sommes définis. À tout de suite.